On va voir maintenant la définition. On va définir globalement c'est quoi un circuit séquentiel. Alors, on va lire deux points sur la définition. Le premier, c'est que le circuit séquentiel, c'est un circuit numérique dans lequel sa sortie ne dépend pas seulement que de ses entrées. Alors, ce point, bien sûr, il se met en comparaison avec ce qu'on avait dit pour le circuit combinatoire. Pour le circuit combinatoire, on avait dit que la sortie, elle dépendait uniquement de son entrée. Le circuit séquentiel, non. La sortie ne dépend pas uniquement de son entrée, mais aussi de l'historique, la séquence des entrées précédentes. Voilà, ça veut dire que c'est ça. Pour un circuit séquentiel, la sortie ne dépend pas que de l'entrée actuelle, mais de l'entrée actuelle plus les entrées auparavant, précédentes. C'est une séquence. Ça veut dire qu'il a l'historique, il a la mémoire, il se mémorise de l'historique des séquences précédentes. C'est pour cette raison qu'on avait dit que, on avait fait l'expérience que même si on donnait la même entrée, la sortie, elle peut changer. Pourquoi? Parce que la sortie ne dépend pas que de cette entrée, mais de cette entrée et des valeurs précédentes, et des entrées, ou bien de l'historique, ou bien de la séquence des entrées précédentes. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on l'appelle circuit séquentiel, parce que il se comporte en fonction de la séquence d'entrée. Fonction de la séquence d'entrée. Voilà, ça c'est la définition d'un circuit séquentiel. Et globalement, c'est ça son comportement. Il se comporte de cette manière. Il est différent d'un circuit combinatoire. C'est pour cette raison qu'on l'appelle dynamique. C'est pour cette raison qu'on l'appelle dynamique. Pour bien comprendre, on va faire un exemple. On va faire un exemple simple. Cet exemple, on va bien illustrer ce phénomène de séquence. On va voir exactement c'est quoi un phénomène de séquence. Alors, on va toujours rester sur la comparaison entre le circuit combinatoire et le circuit séquentiel. On va toujours mettre ça en avant. On va toujours faire la comparaison pour bien comprendre. Là, on voit à gauche un circuit combinatoire. Normalement, qu'on avait étudié en TD, on avait étudié ça en travaux dirigés. C'est un circuit combinatoire assez simple, mais il illustre bien le côté statique ou bien le fonctionnement d'un circuit combinatoire. Alors, il représente une serrure électronique, un cadenas électronique. Ce cadenas, il a quatre entrées et une sortie. Le cadenas, il a un code. Le code, on peut le voir en bas, c'est 0010. Il a quatre entrées. Si l'utilisateur entre le code correctement, le circuit il va produire la valeur 1. Cette valeur 1, logique, elle va se transformer en électricité. Elle va activer le mécanisme pour ouvrir la serrure. Sinon, si l'utilisateur, par exemple, trompe dans le code, il va donner un autre code, un 101. En tout cas, c'est un code qui est différent du code du cadenas. Ça veut dire pas, différent de 0010. Là, la serrure, elle va produire la valeur 0. La valeur 0, elle implique que le mécanisme mécanique ne va pas s'ouvrir, que le cadenas, il va rester fermé. Que le cadenas va rester fermé. Voilà, ça c'est un principe assez simple des entrées statiques. Là, les entrées sont statiques. Chaque fois que tu donnes le code 0010, ça donne 1. Si tu donnes un autre 0, une autre entrée, ça va donner 0, ça ne va pas s'ouvrir. Alors, en comparaison, on va reproduire le même circuit. On va recréer le même circuit, mais cette fois-ci en utilisant les circuits séquentiels. On va utiliser le circuit séquentiel, ça veut dire qu'on va recréer un cadenas ou bien une serrure électronique, mais cette fois-ci en utilisant un circuit séquentiel. Alors, la première remarque à dire entre les deux circuits, c'est que le cadenas du circuit séquentiel, elle ne contient qu'une seule entrée. Contrairement à l'autre, il contient quatre entrées. Pourquoi? Parce que vous allez voir, les entrées,
on va les donner au fur et à mesure dans le temps. On va donner premièrement la première valeur, on va attendre un peu, et ensuite la deuxième valeur, on va attendre un peu, et ensuite la troisième valeur. On va dire que le code il est sur trois valeurs, seulement trois valeurs. Juste pour simplifier les choses. D'accord, on va donner, c'est ça le fonctionnement. Ça veut dire, on donne la première valeur, ensuite on attend, on donne la deuxième, ensuite on attend, on donne la troisième. Il y a une évolution dans le temps. Il y a une évolution dans le temps. On peut voir le repère du point en bas. Ça commence de zéro. Et c'est mesuré en secondes. C'est mesuré en secondes. Là, le code, c'est 101. Si l'utilisateur entre le code correctement, c'est le même principe. La sortie, elle va produire 1 et elle va activer le mécanisme d'ouverture. Si l'utilisateur se trompe dans le code, le cadenas va produire la valeur 0 et elle va rester fermée. Le mécanisme ne va pas s'activer, elle va rester. Alors, on va voir au fur et à mesure comment les données, les valeurs, ils sont entrées dans un circuit séquentiel. Alors, on va commencer par la première valeur. Supposons on est à T1. On est dans le temps, on est à T1. Là, on va fournir la valeur 1. On va fournir la valeur 1 à l'entrée. Le cadenas, toujours, il produit la valeur 0. Parce que le 1, c'est la première valeur. On ne sait pas encore est-ce que l'utilisateur est-ce qu'il va fournir le code correctement ou pas. C'est normal que le cadenas reste fermé pour l'instant. Mais on a trois chiffres dans le code. On peut dire que le premier chiffre est correct. Parce que le code c'est 101, le premier chiffre il est correct, il est entré. Mais on doit attendre les autres. Le circuit il doit attendre les autres. Les valeurs, on va les donner en séquence. On continue, on attend un peu. En T2, après avoir dépassé le T1, on attend un peu. Le T2, on va entrer la valeur 0. Ça veut dire qu'on vient d'entrer le deuxième chiffre. On vient d'entrer le deuxième chiffre. Le cadenas, la même chose. Il va produire la valeur 0. Il ne sait pas est-ce que l'utilisateur il va se tromper dans le troisième chiffre ou pas. Jusque-là, il ne va pas donner il va pas sortir la valeur 1. Il ne va pas sortir la valeur 1. Et on continue, pour le T est égal à 3, là l'utilisateur il entre le troisième chiffre, le code il est correct, séquentiellement il est correct, il a entré 1, puis 0, puis 1, et là le cadenas elle va s'ouvrir, elle va reproduire la valeur 1. Et voilà, et ça c'est ça le comportement d'un circuit séquentiel, c'est que il vérifie la séquence. Là, en T3, le circuit séquentiel, il connaissait la séquence précédente. Il connaissait la première entrée, il connaissait la deuxième entrée. Il a observé la séquence, il a mémorisé les entrées précédentes, il a mémorisé les entrées précédentes, et il a connu la séquence lorsqu'il a vu que la séquence était correcte, 1, 0, 1, il a produit la valeur 1. C'est pour ça qu'on dit que le circuit, il est dynamique, il évolue avec le temps. Il faut se rappeler que le premier chiffre était 1 et le circuit produisait 0. Le troisième chiffre était 1, c'est la même entrée. Mais cette fois-ci, la sortie, elle est différente. Elle est différente. C'est ça le dynamisme. C'est que parfois, on donne 1, le résultat, la sortie est 0. La deuxième fois, on donne 1 et la sortie est 1. Cette fois-ci, elle a changé la sortie. Pourquoi ? Parce que le circuit séquentiel ne dépend pas uniquement de l'entrée, mais de l'entrée plus les entrées précédentes. Bien sûr, l'utilisateur, s'il se trompe dans le code, la serrure ne va pas s'ouvrir. Si par exemple, il donne une séquence erronée, là, la serrure, elle va s'en rendre compte, elle va suivre l'historique, elle va s'en rendre compte que l'utilisateur a entré une séquence erronée et elle ne va pas s'ouvrir. Voilà, ça c'est un exemple pour illustrer comment fonctionne un circuit séquentiel.